Yo tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost, donc sur la map Strike Zone. Donc j'étais accompagné de Furox et Mo au plateau. Donc dans cette partie je jouais à la Vector CRB, je crois que ça donne comme ça, avec le silencieux et le chargeur grande capacité. Sinon après en atout j'avais passe-passe déjà vu que je recharge vite. Après j'avais quoi d'autre? Passe-passe. Franchement les atouts je me souviens plus du tout, je connais pas les atouts par cœur sur le jeu. Ça vient juste de sortir, alors, le temps que j'apprenne tous les atouts. Là en spécialiste je vois que j'ai un truc, c'est pour lancer plus vite les objets. Donc pas grave ça. Là au passage je suis en spécialiste. Après j'ai un truc pour sprinter vite. Et l'autre truc je sais plus à quoi ça sert. Donc voilà. Donc c'est une... aujourd'hui on se retrouve pour une tentative double KEM strike. Donc vous avez bien entendu une double KEM. Donc vous verrez bien si je la réussi ou pas. Donc je voulais parler un peu de... Bah de Ghost dans ces vidéos, tout ça. Ce que j'ai fait un peu de par rapport au... Au début là... Enfin depuis que je l'ai acheté. Donc là... voilà, j'ai fait pas mal de parties. J'ai fait pas mal de fails, donc je vous mettrai pas mal de fails sur la chaîne, je pense, où genre je suis mort à 1 ou 2 de la KEM. Donc c'est vraiment dommage. J'ai fait au moins aujourd'hui, donc on est mardi, j'ai fait 2 KEM et j'en ai fail. Déjà, j'en ai fail 5 à 21, j'en ai fail 1 à 22, j'en ai fail au moins 6 à 18, 17. Franchement j'ai pas arrêté de fail aujourd'hui, c'était vraiment dommage. J'aurais pu en faire au moins 8 ou 9 des KEM si je voulais aujourd'hui. C'est juste que je joue pas assez ma vie. Franchement si j'aurais assez ma vie, je pense que je pourrais avoir beaucoup de KEM. Donc sinon voilà. Donc comme je vous ai dit, on se retrouve sur la map Strike Zone. Donc c'est la map en fait où on peut avoir le... Là au passage j'ai eu chaud, j'ai cru que le mec allait me tuer. C'est la map où on peut avoir la KEM justement, mais dans le colis. Donc moi bien sûr je l'ai pas eu dans le colis, hein, sinon je vous proposerai pas cette vidéo. Ce sera un peu de la merde. Donc là au passage j'avais entendu les deux mecs, j'ai eu peur, je me suis dit wow, j'ai chaud au miche. Donc je vais peut-être donner ce gameplay à la Unity Clan. Donc il passera peut-être sur la chaîne de la Unity Clan. Là au passage j'avais plus de balles, j'ai stressé. Ouais donc je passerai peut-être le gameplay parce que voilà, Tira il voulait une petite KEM dans la semaine. Bah voilà Tira, si tu regardes la vidéo bah t'es servi, j'en ai encore une autre à te proposer. Donc voilà, là au passage là j'avais plus de balles, j'ai eu peur, je me suis dit putain, j'ai ramassé une arme, hop. Franchement sinon ce que j'en pense du jeu c'est qu'il... Là au passage voilà, frappe de KM, hop, j'envoie. Donc je l'ai eu assez rapidement, je l'ai eu en 3 minutes, donc c'est pas trop mal on va dire. On pourrait même dire que c'est une KM express. Enfin bon ouais, je vais pas, on s'en fout. Donc voilà, là regardez, je vais lancer un truc et regardez la map, comment c'est chelou. La map elle est assez carrément déformée en deux. Donc là je vais essayer de... Je crois que je vais me faire tuer par un ennemi. Enfin je vais vouloir me faire tuer par un ennemi. Je vais tirer partout, n'importe où, n'importe comment. Pour me faire tuer, pour retenter une deuxième série. Donc voilà. Donc franchement on reconnaît plus trop la map quand... Voilà c'est là que je fais un peu n'importe quoi, je tire n'importe où. On reconnaît pas trop la map franchement quand on lance la KM. Surtout sur Strike Zone, parce que sur Strike Zone en fait quand on lance la KM le décor se détruit. Alors que sur les autres maps je crois que ça se détruit pas, je sais plus trop. Enfin moi personnellement sur les autres maps que j'ai fait des KM, il n'y avait pas de destruction de la map. Donc ça faisait rien du tout, ça faisait juste de la fumée un peu orange comme sur MW3 et puis voilà. Que là ça détruit carrément le décor, donc voilà c'est sympa on va dire. Mais après on voit plus trop où on en est dans la map, on se dit putain mais c'est quoi cette map. Enfin bref. Donc j'ai oublié de vous dire aussi, je sais pas si j'ai dit que j'étais accompagné de D-Blox et de Furox, donc dédicace à vous deux les mecs. Donc j'ai une autre KM à vous proposer, donc que j'ai fait en solo. Donc je l'ai fait en solo. À la... Comment s'appelle l'arme déjà? La FAD, donc une arme qu'on n'a pas vue beaucoup sur YouTube, donc que ça soit sur MW3. Bon sur Ghost on peut comprendre qu'elle n'avait pas été beaucoup vue, le jeu vient de sortir, mais sur MW3, il n'y avait pas beaucoup de gens qui jouaient avec la FAD. Donc voilà, je vais tenter à la FAD et première tentative, bah
J'ai réussi, donc j'étais content. Donc voilà. Donc je vais pas commenter tout le gameplay, je pense. Je vais, comment dire, je vais vous mettre de la musique. J'espère que bah on va passer une bonne année, on va dire, sur Call of Duty Ghost. Là au passage j'ai fait la quad, là j'étais content. J'espère qu'on va passer une bonne année sur Call of Duty Ghost. Qu'on va bien s'amuser, que je vais essayer de vous proposer vraiment des très gros gros massacres. Pour l'instant ça commence bien dès le premier jour de la sortie. Je vous offre des KEM, donc je suis assez content de moi. Donc voilà. Donc c'est voilà, c'est à ce moment-là que je vais être en grosse série. Je vais être à... Je sais plus combien, je devrais être à 13-14 là, par là. Donc comme vous pouvez voir, je suis un spécialiste. Hein. Donc je dois être à 10-12 par là. Donc vous allez voir si je vais réussir la KM ou pas. Donc voilà. Donc si je réussis, donc ça sera la première au monde à faire la KM. Enfin, je serai le premier au monde. Donc là au passage, je vais un peu rester dans ce coin-là au passage. Parce qu'en fait, ils respawnaient tous là-bas, là, au fond, dans le carré, là, dans le genre de carré. Donc voilà, je tue un mec. À chaque fois, je voulais retourner là-bas et à chaque fois, je voyais C. Voilà. Donc là, je repartais et là, je voyais C tout d'un coup. Hop, fallait que j'y retourne. Enfin bref, là, au passage, je l'avais vu. Non, franchement, ce jeu, il est bien. À part qu'on, des fois, on meurt vite et des fois, en fait, le mec sponge. Pourtant, on tire avant. Hein. C'est ça le pire. Le mec, on lui tire dessus avant. Mais je sais pas. C'est bizarre, ça prend pas. Donc c'est voilà, c'est à ce moment-là que je vais mourir. En fait, j'avais pas vu l'ennemi. Je me suis dit, mais putain, mais il est où? Et voilà, il était là. En fait, là, je viens juste de le voir. Là, je l'ai vu. Mais quand on est in-game, quand on est concentré comme ça, des fois, on fait pas attention à des choses. Donc là, je suis mort à 14 ou 15. Donc voilà, c'est une tentative double quand même. Donc il manquait 10 kills, 19 kills pour faire la double. Donc c'est dommage. Donc je vous ai mis tout le gameplay, même si à la fin, c'est pas... Comment dire? C'est pas très intéressant, même si je fais encore pas mal de frags. Là au passage, je vais faire une double, une triple, je sais plus. Franchement, ce jeu, voilà, je le kiffe à mort. Il est vraiment énorme. Comme je vous ai dit, on meurt assez vite, on tue vite aussi. Donc ouais, heureusement qu'on tue vite, parce que si on meurt vite et qu'on doit mettre beaucoup de balles, ça sera un peu chiant. Mais c'est vrai qu'on tue assez vite. Je pense que prochainement, donc soit demain, soit après-demain, je vous ferai un petit tuto. Donc un tuto classe et un tuto comment XP rapidement. Donc voilà, ça sera une vidéo avec deux sujets, donc comment XP rapidement et mes classes un peu, les classes de Blackbird HD sur Ghost. Donc voilà. Donc c'était Black. On se retrouve demain pour une nouvelle KEM. Sur la map War Oak, je crois qu'elle s'appelle comme ça. War Oak, là c'est dans la genre de ville. C'est une ville un peu. Et voilà. Donc moi je vous dis à demain. Allez, ciao tout le monde. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire, ça fait super plaisir. Et aussi pour ceux qui veulent m'ajouter sur le PSN, donc j'ai créé un nouveau compte pour Ghost. Donc c'est UC-du-bas Blacks. Donc Unity Clan-du-bas Blacks. Donc je mettrai le PSN dans la description, donc regardez bien la description les gens. Et ajoutez-moi si vous voulez jouer avec moi sur Ghost. Donc voilà. Sinon moi je vous dis à plus, donc à demain pour une prochaine vidéo, ou sinon à plus sur la Play. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde. Satellite activé. Au travail.